Hey Nico. Ouais, je l'ai vu aussi celui-là. Oh, c'était ton village. Non, à mon avis, c'est trop sombre pour avoir ce genre de plantes. Aucune idée, sûrement. Oui, j'en ai déjà vu. Waouh, vraiment? Aussi loin? Oui, il y a aussi de la nourriture dans l'océan. Ah oui? Moi j'y suis déjà allé. Ah, ici non plus. Ouais, il y a toutes les crevettes luminescentes, c'est ça. Vraiment? Tu sais quoi? Heureusement que tu l'as passé, ça. Ouais, avec le soleil, ça devrait bien se passer. Ça te fait une belle source de lumière. Non. Oh. T'en prie, Nico. Ça me fait plaisir. Ouais, ça y est, après une bonne nuit de sommeil. Ouais, voilà. Je vérifie bien tout. Ok, c'est bon. Oups, voilà. Alors, prochaine étape, du coup, on a tout fait ici. Il est temps de noter notre nom là-dessus, sur le parchemin. Avec notre plume. Notre stylo, on va dire. Et voilà. Merci à toi. Pas voir ce qu'il y a les autres prénoms qu'il y a dessus ou est-ce qu'il y a que le mien. Ok, on se rapproche de plus en plus de la du centre du monde, de la tour. Et là, j'aimerais bien avoir une différente perspective pour voir ce que Nico peut voir là. Alors, est-ce qu'il est au bord d'une falaise? Est-ce qu'il est en train de grimper haut dans le ciel? Je sais pas trop. Oh. Qu'est-ce que... Ok, on va pas rester là, Nico. Parce qu'on peut plus revenir en arrière là, mais les carrés c'est jamais bon signe. Ok, on va pas rester là. Ça nous court après. Ça nous suit très vite en plus. On va pas rester là du tout. Vite, vite, vite. Ok. Pouh. Oh. Ça y est, on y est? Waouh. Et la tour est juste là. Voici donc dans la ville, le refuge, c'est ça? C'est... très urbain, ça c'est sûr. C'est aussi très rouge. Oh, bonjour toi. Ah, tu m'attendais. Ouais, il faut aller dans la tour. Et puis déposer le soleil dedans. À la surface. Non, c'est vrai qu'on est... Oui, on est très haut dans le ciel. Il va falloir descendre. Ou trouver un ascenseur. C'est peut-être plus simple, l'ascenseur. Ah bon? Il y aura des épreuves à l'intérieur, peut-être? La librairie. Pour avoir des indices. Ok. Merci beaucoup. Oh, vraiment? Secret Kernel. Je crois que j'ai un truc comme ça. Est-ce que cette graine suffira? Ouais. Alors ça, est-ce que ça fonctionnera?
Ouais, c'était une sorte de souvenir. Oh! Attends, faut que je la replante. Ok, oui, oui, je dois pouvoir faire ça. On a désormais accès au jardin. D'accord. De l'eau très rouge. Intro. Ok, donc peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais la refaire, la faire se renaître. Tel un phénix. Oh. Non. Non, il nous faut de la terre. Mais on n'a pas de terre. Ouh. J'espère que j'en ai pas. J'espère que c'est pas un truc que j'ai oublié, genre. Dans la zone d'avant. Est-ce que je peux au moins mettre de l'eau? Non, il y a besoin de terre d'abord. Ok. Ben, j'espère que j'en trouverai assez rapidement. J'espère que je l'ai pas loupé quelque part et que maintenant je peux pas revenir en arrière. Ok, descendons en bas. Wow! Qu'est-ce que. Ah. C'est. Je sais pas, mais c'est pas bon signe. J'aime pas trop. Rick est une personne très énervée. Oh! Que c'est toi? Oui, c'est toi. Bonjour, est-ce que ça va? Je suis moi, oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on a besoin d'aller à la surface. Quoi, il y a un problème? Ouais, mais... Mais quoi? C'est un ascenseur. Mm-hmm. Le bouton? Ah. Oui, c'est un problème. Ground. D'accord. Oui, c'est le seul endroit où ça t'amène en fait. Ça a été arraché? Qu'est-ce qui a pu faire ça? On crée un nouveau. Est-ce que c'est vraiment possible? Ok, bah, je te fais confiance, Nico. On devrait peut-être, on trouvera peut-être un moyen de fabriquer un nouveau bouton. Mm-hmm. Je suis pas sûr que ça marchera très bien. Ah bah bravo. T'en fais pas. On trouvera bien un moyen. Ah, il n'y a pas de câble cassé ni rien à l'intérieur. Ah, c'est parce que c'est pas câblé, c'est ça fonctionne avec une technologie magnétique. Ok, un truc dans ce genre là. Bon, du coup on a du chemin à faire. On a des, ouais, on a de, on a du choix. Allons par là-bas. Il y a encore du rouge là. Carré rouge, c'est pas bon ça. Je me demande si c'est, les carrés sont rouges parce que la zone est rouge. Parce qu'avant c'était des carrés verts qu'on rencontrait. Maintenant qu'on est dans la ville, c'est des carrés rouges. Oh, c'est fermé à clé. Ok, ça c'est. Comme ça, ça règle le problème. Fermé. Fermé. Oh, toi tu dois être ouvert. Oui. Il y a de la lumière, c'est ouvert. Peinture, abstraite. Salut. Wow, un intrus? Non, 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 non. Ah, c'est un robot de sécurité. Ouais, c'était ouvert et il y avait de la lumière. Oh oh. Oh, zéro. Ok, ça va alors. Voilà, suffit d'être sage, de ne rien faire de grave, genre de ne pas sauter sur le canapé, de ne pas. Oh, l'ordinateur est éteint de toute façon. Mais excuse-moi, je voulais juste examiner le lit. Je vais pas dormir dedans.
Ok, t'en fais pas, on va rien faire. De toute façon, y a rien à faire ici, apparemment. Pas très intéressant. Oh. Distributeur de savon, c'est une salle de bain. La musique est devenue très triste. D'un seul coup. Et je peux pas interagir avec ces portes. Oh, c'est des ciseaux. Un tas de cheveux. Je sais pas qui s'est coupé les cheveux ici, mais berk berk. Enfin, au moins on a des ciseaux. Ça pourra toujours être utile, j'imagine. Que je peux regarder à travers la fenêtre? Non. Oh. Un mur de portrait de famille. Yep. Salut. Ok. Ok, génial, j'adore ces conversations. C'est tout à fait moi dans une conversation classique, hein, je vous préviens tout de suite. Je suis exactement comme ça, moi. Oh, un pingouin. Une peluche de pingouin. Coucou, pingouin. Hello. 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 Ok, on va se calmer, on va partir d'ici tout de suite. Une plante, y a rien dans la plante. C'est un lit, c'est un lit. Ok, toi tu vas bien. Tu t'occupes bien de ton pingouin avant qu'il ne mange quelqu'un. Je suis sûr qu'il est possédé ce pingouin. Par un démon. Une photo de plein de 1 et de 0. Ok, c'est du binaire. 4 robots jouant aux cartes. D'accord. Would you like to play a game? On est dans Saw ou quoi là? C'est Jigsaw qui est dans ce robot. Oh, pierre, feuille, ciseaux. Let's go. Ok, il y a des paramètres en plus à mettre. What? Il y a trop de paramètres. Désolé mon vieux, mais... C'est un jeu de pierre, feuille, ciseaux, quoi. C'est pas compliqué. Oh, donc t'es tout seul à la maison. D'accord. Oh, c'est une fille. She, d'accord. Tamed, encore. Je garde quand même en tête ce que j'avais expliqué. Hein. Que c'est un robot qui gagne une conscience ou qui a un libre arbitre, plutôt. Évidemment, elle peut pas l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer alors que moi, je l'explique. À moins que j'ai faux et que ce soit autre chose. Que ce soit plus compliqué que ça, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. C'est un robot qui obtient le libre arbitre. Qui obtient un jugement, une conscience, un truc dans ce genre-là. Bref. Oh. C'est... Ouais. The Glen. Il y a quelqu'un qui vient du Glen, ici. Salut, toi. D'accord. Non, rip la plante. Rest in peace. Salut toi. Ouais, tu viens du Glen. Ouais, on en vient tout juste d'ailleurs. Ouais, ça change du rouge de la ville. Ouais, peut-être une muselière ou quelque chose. Peut-être que tu devrais la dresser pour qu'elle évite de manger toutes tes plantes. City life. Ok. Bon, rien de très intéressant pour le moment dans ces... Oh, bonjour. C'est un robot nettoyeur. Nettoyeur. Oh ouais, monte dessus. Mais si, vas-y. Vas-y, Nico, tu verras. Ah oh, ouais, génial. C'est pas grave. Ok. Adieu petite voiture. C'était marrant. Ok, est-ce qu'il y a... Ok, j'allais dire où se trouve la fin. On arrive à la fin justement, tant mieux. Poup. Oh. Oh. Oh, pardon. Est-ce que tu as une plante comme tête? Tu as une tête de plante. Un.
Bonjour, j'aurais peut-être te parler avant d'examiner tes plantes, hein. Salut! Tu as beaucoup de plantes et tu es une plante! C'est magnifique comment ça fonctionne! Tu es. D'accord, tu as fait pousser tout toi-même. Cool! Oh, oui, merci Nico, t'as bien raison de lui demander. Est-ce que vous avez de la terre? On a besoin, on essaie de faire pousser une graine. Vraiment? Wow, un sac complet. Cool, merci. C'est gentil. Ouais, bah faire pousser des plantes en ville, c'est moyen. Et les terres désolées, oui, c'est les terres désolées un peu, quoi. Mmh. Donc le Glen, c'est vraiment la zone naturelle. La zone forestière, quoi. Wait, what? Ah, Trowel Owl. Ok, c'est un jeu de mots. Oh, des trèfles noirs. Ennuyeux à voir, ah bon? Ah ouais? Et tu l'as pas vu depuis longtemps? Ah, est-ce que c'est encore la même personne? Est-ce que au final... Genre le mec qui écrit les livres, qui a inventé la machine volante, et tout ça, est-ce qu'ils connaissent tous la même personne? Est-ce que c'est une seule et même personne? Il y a des choses comme ça, je me dis, ils sont tous en train de dire, ouais, il vient, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et tout. Cactus. Merci. Ah, un arbre phosphore, ouais. Où sont les feuilles? Ah, c'est plus de l'herbe qu'un arbre. Donc les branches, ce sont les feuilles finalement. Ok. Et ils peuvent générer du phosphore. Donc c'est pour ça qu'il y a de la lumière dans le glen. Yep, on a déjà parlé de ça. Je me demande depuis combien de temps le soleil précédent s'est éteint. Parce que c'est devenu sombre, certes, mais il y a encore suffisamment de phosphores qui ont absorbé de la lumière et qui continuent d'en produire. Donc je me demande combien de temps ça fait que depuis que le soleil précédent s'est éteint. Je me demande. Bon, d'accord. Ça fait beaucoup de plantes tout ça. Oh, c'est du blé, cool. Avec du blé dans un pot de fleurs, ouais, c'est sympa. Hein. Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien voir ces champs de blé à Nico. Ok, bon bah merci pour la terre, je vais te laisser tranquille. Je vais te laisser avec tes plantes. Et enfin, on a là. Oh. D'accord. Oh, donc il y avait encore... Oh, ça date, en fait. Il est trop jeune pour boire du café, ouais. Pas quel âge il a, Nico, mais il doit être jeune, quand même. D'accord. Et rien, là. Ok. Oh, c'est quoi? C'est une sorte de cafétéria, de... bibliothèque, en même temps? Bon, d'accord. C'est un frigo, un autre frigo. Oh, mais là il y a des aimants dans le frigo, sur le frigo. Ouais, ok, on a des aimants, c'est cool. Quoi d'autre? Ça. Des bâtiments, ok. Tu as une télé en guise de tête, toi. D'accord. Photographie d'une usine. Et toi, des rails, d'accord. Salut toi. Oui, c'est moi. Oh, merci. Oh. Cool. Ah, c'est, il est gentil ce mec. Ouais, t'en fais pas, Nico. On y vient. On y est presque à la tour. Je vais bientôt rentrer chez toi. Waouh. Donc c'est tout un tas de photos qui datent d'avant la descente en enfer.
Ouais, même là, c'est quand le soleil était encore allumé. Oh, c'est la... Ah ouais, c'est la porte qui était fermée tout à l'heure. Ok, raccourci! Hey! Donc cette partie-là, c'est fait. On a de la terre, donc on va pouvoir aller planter ça. Allons faire ça tout de suite, d'ailleurs, pendant que j'y pense. Sinon, je vais... je risque d'oublier la graine qui se trouve dans son pot. Et ça sera mauvais signe. On va faire tout notre possible pour que cette plante puisse pousser correctement. Alors, terre. Hop. Mais ça a l'air d'être sèche. Sec, d'accord. Bon. Hop. Avec de l'eau. Maintenant c'est bien mouillé, mais... Ouais, si la terre commence à sécher... Ok. Peut-être qu'on ira retourner prendre de l'eau. De l'eau et de la terre. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. On verra bien si on trouve autre chose durant notre petit bout d'exploration là. Peut-être qu'on trouvera autre chose. Une lampe peut-être? À mettre au-dessus d'elle pour lui donner de la lumière. Ça pourrait être pas mal. Tu es toujours devant l'ascenseur toi? 15 minutes. Oh! Oh! Ne dis pas que c'est en train de me timer ou quelque chose comme ça. Alors, oh, il y a des carrés partout. J'aime pas ça du tout. Gagnez-moi ça. Est-ce que c'est les carrés qui. Hein... Ouais, n'y touche pas, Nico, c'est dangereux. Est-ce que c'est les carrés qui détruisent les passerelles comme ça? Ça en a tout l'air. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une cafétéria. Ça, c'est la... ça, c'est une cafétéria plutôt. D'accord, une canette de. De café, ouais. Oh, du lait et du sucre. Non, je te comprends, quand on est jeune, on n'aime pas le café. Salut? Ouais, c'est bizarre, y a personne ici. Ah, oui, t'as bien raison, mon ami Nico. Ça doit être pour ça. Ah ouais? Y a des dégâts? Oh, ouais, c'est mauvais signe ça. Et maintenant, l'ascenseur est cassé. Ah. Ah oui? Il est passé par là? oui. Bah, à mon avis, il a autre chose à faire que de penser à des blagues. Ah ouais, il est pressé à chaque fois? Ok. Ah ouais? Si, ouais, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Maintenance? Avec de la lumière? Ok. Ouais, je devrais lui demander. Ça sera tout? Non, ça devrait aller, ok. Donc ça c'est bon. On a une canette. On a des ciseaux. On a des magnets. Des aimants. Est-ce que c'est sur un timer son truc? 17 minutes, ouais, donc ça compte exactement le temps que je mets à faire ce truc là. Donc je sais pas si... Je sais pas si j'ai un temps limité ou... Oh! Ok, il y a un lit ici. Pourquoi pas, tiens. Finissons l'épisode dans ce lit. On s'occupera du reste plus tard. Ouais, bien sûr. Allez, bonne nuit, Nico. Et à la prochaine, les amis.